Désolé pour ce petit troll au niveau du générique, mais j'étais obligé de vous le faire du coup. Kowabonga, les amateurs des cahiers de vinyle. Aujourd'hui, on s'attaque au sein du sein, au summum de la geekitude, au paroxysme de la nostalgie pour les enfants des années 80, au cultissime Teenage Mutant Ninja Turtle. Et aujourd'hui, on commence par le Hyperstone Heist sur Mega Drive, édité en 92 par Konami et en 1993 chez nous en Europe. Alors, petite différence par rapport au test précédent, aujourd'hui je ne vais pas vous faire l'affront de vous présenter l'éditeur, le développeur, etc. qui pour ce jeu-là est Konami. Donc du coup, si tu sais pas qui est Konami, déjà tout de suite tu sors. Je vais plutôt me concentrer sur les créateurs de la licence. Très rapidement, je vais vous présenter un petit peu l'histoire de la création de cette licence monumentale. L'histoire va commencer par la rencontre de deux hommes, Kevin Eastman et Peter Laird, qui vont créer depuis leur salon le studio Mirage. En 1983, devant la télé, Kevin Eastman va se mettre à dessiner une tortue en mangeant des pizzas. Une tortue qui va se tenir sur ses pattes arrière avec un bandeau sur les yeux et des nunchakus. Laird, intrigué par cette création qui ressemble, faut être honnête, pas à grand chose, va dessiner alors sa propre version de cette tortue en changeant quelques éléments. Il va en dessiner 4 du coup, chacune avec des armes différentes, et il va ajouter le titre Ninja Turtle. Laird, qui voit ça et qui se tire un peu la bourre avec Eastman, va proposer lui d'ajouter Teenage Mutant au titre. Et bim, l'univers est créé et va donner naissance à ce concept totalement improbable des Tortues Ninja. Eastman et Laird, qui sont des grands amoureux de comics, vont avoir pas mal d'inspirations qui vont amener à la création de ces tortues-là. Tous deux sont très fans des comics Daredevil et Electra, donc du coup ils décident d'en faire une parodie. L'ennemi de Daredevil s'appelant le clan de la main, ils vont appeler les ennemis des tortues le clan des foot. La tenue d'Electra étant bardée d'un bandeau rouge, les tortues porteront tous des bandeaux rouges dans le comics. Ils vont mettre 2 mois et demi un petit peu à créer leur premier comics et qu'ils vont publier à 3000 exemplaires. Ce comics va sortir en 1984. Évidemment, ils ne s'attendaient pas à un tel succès. Donc, ils vont être très surpris de vendre les 3000 comics en si peu de temps. Donc, ils vont tout de suite se mettre au travail. Et pour que les 4 tortues ne soient pas juste des clones les unes des autres, ils vont décider de leur définir des personnalités. Raphaël, dans un premier temps, va avoir un tempérament explosif qui va beaucoup ressembler au tempérament de Kevin Eastman, et le tempérament de Peter Laird et son côté nerd va donner naissance à Donatello. Par la suite, ils vont beaucoup s'inspirer de personnes de leur entourage pour tous les persos de la série. Donc on peut noter que April O'Neil, il va s'inspirer de sa petite amie Kevin Eastman, et pour le rôle de Splinter, ils vont s'inspirer du mentor de Daredevil, du comics précédemment mentionné. Ils vont alors se mettre en quête d'un agent, et c'est finalement l'agent Mark Friedman qui va décrocher le gros lot, et qui va avoir l'idée du coup de développer une gamme de jouets. Donc ils vont frapper un petit peu à la porte de tous les producteurs de jouets de l'époque qui vont gentiment leur fermer la porte au nez, tous sauf un, Playmate Toys, qui est un petit fabricant qui n'a pas encore eu de gros succès de produits au niveau des jouets, qui va accepter de produire les Tortues Ninja. Idée lumineuse. Ils vont avoir également l'idée du coup de, pour vendre cette gamme de tortues, comme ça se faisait beaucoup dans les années 80, de produire un dessin animé, donc ils vont remanier un petit peu le comics d'origine. Et de là va naître le mythique dessin animé de 1987 sur les Tortues Ninja. A partir de là, les jouets Tortues Ninja vont carrément cartonner, il n'y a pas d'autre mot. Ils vont en vendre des centaines de millions d'unités. Ils vont commencer déjà dès la première année à en vendre des millions, et la meilleure année des ventes, ils vont monter jusqu'à 100 millions d'unités. C'est le plus gros chiffre en matière de jouets jamais atteint. On peut parler à ce moment-là de l'âge d'or du jouet. L'animé du coup voit le jour en 1987 sur 10 saisons, qui va être bien différent des comics qui eux étaient très sanglants, très dark, vraiment pas pour les enfants. Donc ils vont édulcorer l'histoire, ils vont créer des personnages comme Bebop et Rocksteady par exemple, qui vont être 2 gros bêtas, bien rigolos, voilà, qui n'existaient pas dans le comics. On y découpe des tortues avec un style bien plus cartoon et bien moins dark que dans le comics. Les ennemis seront souvent un peu bêtes et ridicules pour s'adapter aux enfants. Shredder, lui, va devenir le méchant principal de la série, alors que dans le comics, il meurt dès le premier numéro. Les ennemis du Foot Clan vont être remplacés par des robots, donc pour éviter la censure au niveau du sang, de la violence, etc. Ce qui permettra aux tortues, du coup, de les démonter sans trop faire de scandale. C'est également dans le dessin animé que Krang, donc le chef du clan des Foot, va faire sa première apparition en tant que méchant. Autre changement, Splinter, qui dans le comics était le rat d'Hamato Yoshi, son maître, dans le dessin animé, ça va être Hamato Yoshi lui-même qui va être transformé, comme les tortues, par le contact avec le mutagène, en mêlant son ADN du coup avec la dernière bestiole qu'il a touchée. Donc dans le dessin animé, il touche un rat juste avant d'entrer en contact avec le mutagène, donc il se transformera en rat. Idem pour les tortues du coup. Gros coup de maître du coup, comme je vous disais, de Playmate Toys, qui dans un mouvement qu'on peut appeler de génie commercial, va éditer les tortues et va avoir l'idée aussi de créer 4 tortues différentes. C'est-à-dire que dans le comics, toutes les tortues se ressemblaient. Là, ils vont avoir l'idée de créer 4 bandeaux différents et des couleurs de peau légèrement différentes pour bien différencier les tortues et permettre aux enfants non pas d'acheter une tortue, mais bien évidemment d'en acheter 4, parce qu'il faut toute la collection. Bien joué, j'ai envie de dire. J'ai oublié juste un truc monumental, un truc cultissime qui fera le succès de l'animé, c'est ce générique. Un générique cultissime. Je vous laisse écouter ça. Donc ce qu'on peut noter également, c'est que le dessin animé, quand il arrive chez nous en Europe, et ce sera le cas aussi pour certains jeux, il va être victime de la censure venue d'outre-Manche. Il va être renommé Teenage Mutant Hero Turtle, et non pas Ninja, parce que pour messieurs les Anglais qui tirent toujours les premiers, le terme Ninja était associé à quelque chose de très violent avec une connotation très sanglante, donc Exit, le Ninja, bienvenue, le héros. Du coup, on va se retrouver avec pas mal de productions avec ce nom Teenage Mutant Hero Turtle qui n'épargnera ni les jouets, ni le dessin animé, ni les jeux. Et vous allez voir que sur les jeux, ça n'a pas toujours été le cas, bizarrement. Il y en a beaucoup qui sont passés au travers de cette censure. Du coup, maintenant, je vous fais la présentation des tortues. Donc, sur la ligne de départ, nous avons Leonardo, bandeau bleu, l'aîné, 16 ans, utilise comme arme des katanas, un caractère plutôt sérieux, appliqué et moralisateur. Donatello, bandeau violet, utilise un beau, c'est-à-dire le bâton, avec un comportement plutôt pacifique et une compétence de nerd, de scientifique. C'est celui qui répare toujours ce qui est cassé. Michelangelo, bandeau orange, Nunchaku, le plus jeune, le plus rigolo, le gros mangeur de pizza, saluterie au passage. Et Raphaël, bandeau rouge, utilise les seils, le petit nerveux, la tête brûlée du groupe. Voilà pour le casting des 4 tortues. Donc, sur ce, je vous fais le traditionnel pitch, l'histoire du jeu. Donc l'infâme Shredder a mis la main sur une pierre qui s'appelle l'Hyperstone, qu'il a récupérée dans la dimension X. Ça lui a permis de réduire la ville et de voler la statue de la liberté. La fameuse April O'Neil qui est là à ce moment-là voit tout disparaître et décide donc d'avertir ses 4 amis d'écailles et de vinyle, les tortues ninja. Ça y est, le décor est planté. Les tortues vont aller au Technodrome pour aller défoncer l'infâme Shredder et son acolyte Krang. Voilà, le scénario est planté, comme je vous disais, ça tient comme d'habitude, comme très souvent sur une feuille de papier, mais en même temps, c'est un petit peu le scénario qu'on retrouvait dans les épisodes du dessin animé éponyme. Bon, maintenant on va attaquer ce pour quoi on est là, à vrai dire, le gameplay. Donc le jeu c'est un beat'em all classique, comme on en connaît beaucoup. Vous devez choisir une des tortues pour aller casser les soldats du Foot Clan. Ok. Classiquement, comme dans tous les jeux Tortues Ninja, les 4 tortues n'ont pas des attributs identiques. Selon les tortues que vous allez prendre, vous allez avoir une portée au niveau des armes qui est différente. Par contre, ce sera compensé par leur vitesse. Donatello par exemple avec son bâton a une portée très longue mais va être plus lent. Raphaël va être beaucoup plus rapide mais c'est ça, ils ont une portée très courte. Et les deux autres tortues, Leonardo et Michelangelo, sont les deux tortues on va dire équilibrées avec une portée et une vitesse moyenne. Ce qu'on peut noter dans ce jeu, c'est que la prise en main est immédiate. C'est très facile. Vous prenez le jeu au bout de 2 minutes, vous l'avez en main, c'est parti, c'est du fun tout de suite. Les tortues, à la manière d'un Street of Rage 2, peuvent attaquer de très nombreuses façons. Pendant un saut, pendant une glissade, pendant une attaque spéciale. Alors par contre, attention aux attaques spéciales, parce que ça, c'est exactement comme dans Street of Rage. Ça fait beaucoup de dégâts, mais ça fait aussi perdre de la vie. Vous avez des prises également quand vous êtes au corps à corps. Vous pouvez prendre un ennemi et le faire basculer des deux côtés. Vous le prenez et puis vous le tabassez un peu par terre, là, vous le cognez par terre. Le gameplay au niveau des ennemis n'est pas très compliqué, par contre il faut faire très attention parce que les ennemis sont très nombreux à l'écran. On peut d'ailleurs noter la prouesse technique. Ils arrivent souvent par vagues de 4, 5, 6, vous lancent des projectiles, donc même s'ils ne sont pas très forts, c'est pas toujours évident de tout esquiver. Et très souvent quand vous avez fini avec la première vague, vous avez la deuxième qui arrive juste derrière, même pas le temps de souffler. Donc on rencontre essentiellement des soldats du Foot Clan qui ont plusieurs couleurs. Ces couleurs déterminent en fait l'arme et la technique avec laquelle ils vont vous attaquer. Donc une fois que vous aurez un petit peu connaissance du jeu, vous pourrez anticiper les méthodes pour les battre. Au niveau des ennemis, vous allez également avoir les petits robots là, très agaçants qui sautent et qui vont partout, très difficiles à choper, qu'on appelle les Mothers. Et puis après, les différentes créatures classiques de la dimension X. Les niveaux, vous en avez 5. Alors c'est des niveaux, effectivement, ils ne sont pas très nombreux, par contre, ils sont relativement longs. Les développeurs du jeu ont vraiment misé sur les petits détails, les petits trucs là qu'on remarque pas forcément aux premiers abords, mais qui mettent beaucoup de fun dans le jeu, donc on s'ennuie jamais dans le jeu. Vous avez des interactions avec le décor. On peut noter par exemple quand vous avez votre tortue qui veut prendre une pizza et hop vous avez le portrait géant de Shredder qui vient s'écraser sur eux, boum, la tortue est aplatie, c'est assez rigolo. Vous avez également les petites interactions avec le décor comme la bouche d'égout, si vous tombez dedans vous avez un petit texte du style oups je suis tombé, hop c'est parti. Vous avez également les pizzas, alors je sais pas là comme vous voyez à l'écran, qui ont l'air très épicées du coup et qui permettent de tout détruire à l'écran. Donc on peut noter que le gameplay effectivement est très varié, les animations sont très fun et très détaillées, même je rajouterais même très rigolotes. Les musiques du jeu, vous les entendez depuis le début, sont très rythmées et relativement bien faites et surtout respectent l'animé. Vous avez même certaines voix digitalisées alors qu'ils sont parfois moyennes, mais juste le Kowabunga en fin de niveau est très bien fait et très fidèle. Et alors petit détail sympathique aussi au niveau gameplay, dans les options au début vous pouvez choisir au niveau des graphismes entre l'animé et le comics. Vous allez pouvoir avoir soit les couleurs très flashy du dessin animé ou soit les couleurs plus sombres et plus sérieuses du comics. Donc petit détail qui a vraiment une très grande importance. C'est vraiment, ça prouve à quel point Konami s'est attaché aux détails sur ce jeu là. A noter également, pour conclure sur le gameplay, que le scoring est très important dans le jeu parce que vous verrez sur l'écran de fin, ils vous mettent de manière assez classique votre temps de jeu, combien de temps vous avez mis pour finir le jeu, mais également votre score. Donc il y a aussi un aspect scoring sur ce jeu qui donne une envie d'y revenir. Donc évidemment au niveau gameplay, on ne pourra pas s'empêcher de faire la comparaison avec la version Super Nintendo, le Turtle in Time. Alors oui, effectivement, il y a des ressemblances, mais par contre, moi, je pense que c'est vraiment deux jeux totalement différents. Alors les ressemblances, évidemment, puisque les jeux ont été faits par le même éditeur et en même temps, mais quand même, je trouve que la version Mega Drive a ses spécificités et que ça en fait un jeu à part entière. C'est un jeu avec un rythme dantesque, très bien réalisé, hyper jouissif. Si je peux vous donner un conseil, procurez-vous-le. Donc en conclusion, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire que Tortue Ninja, c'est premièrement un comics mortel. Une gamme de jouets mythique, formidable. Un dessin animé cultissime. Mais surtout, 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 une série de jeux monumentale. Vous en avez des flopées de jeux. Vous avez la version que je vais citer en premier parce que c'est la première que j'ai eue et qui est culte à mon goût. Alors peut-être que ça vous surprendra, mais mon premier jeu Tortue Ninja, ça a été le Tortue Ninja sur Amstrad CPC. Alors il n'est pas beau, il n'y a même pas de musique dans le jeu. C'est une reprise de la version NES mais en light. Mais ça restera pour moi un de mes jeux d'enfance, un jeu phare. Vous avez la version NES, évidemment, qui est la plus connue, la plus cultissime, avec sa difficulté légendaire, mais qui reste un hit de la console de Nintendo. Sorti tout droit des égouts du Bronx, les célèbres Tortues Ninja débarquent sur votre console Nintendo. Rejoignez ces héros carapacelés. Utilisez des nunchakus. Traversez les égouts. Tracez votre chemin au bazooka et délivrez la ville des diaboliques robots et de l'horrible Shredder. Dans Teenage Mutant Hero Turtles, toute la saga des Tortues Ninja, exclusivement sur console Nintendo. Vous avez évidemment le Turtles in Time sur Super Nintendo, qui est une des plus belles réussites au niveau des jeux Tortues Ninja. Vous avez la version Mega Drive, donc qu'on teste aujourd'hui, qui est également une belle réussite, même si on peut dire qu'elle est quand même légèrement inférieure à la version Super Nintendo, elle reste totalement dans les clous. Vous avez une flopée de jeux, notamment des jeux de baston qui existent, qui sont sortis évidemment sur Super Nintendo, sur Mega Drive. Vous avez également un jeu de baston qui s'appelle Mutant Melee sur PS2, qui a un gameplay un petit peu à la Power Stone. Vous avez évidemment des versions arcade qui sont somptueuses. Vous avez vraiment une gamme de jeux Tortue Ninja dans tous les registres qui a tombé par terre. Donc les amis, qu'est-ce que je pourrais vous dire à part Kowabunga, et à la prochaine pour un autre test d'Inostal. Salut!